Je m'appelle Audrey Méraud, je suis originaire de Canala. Je vais lancer mon projet de boulangerie, elle s'appellera Pitou. Là, on est arrivé dans mon champ. On va attacher un peu les ignames. C'est un peu un challenge pour moi de lancer ce projet. Il n'y a que mon papa qui croyait en mon projet. Du coup, j'ai continué, j'ai persisté. Et maintenant qu'il voit que ça a bien avancé le projet, ma famille, et ben, il commence à y croire et tout, et il me pousse à avancer. Comme on cultive beaucoup les ignames ici, je voulais essayer de diversifier les matières premières, c'est-à-dire de faire du pain à l'igname, du pain de manioc, essayer d'utiliser les produits qu'on a l'habitude de planter tous les jours et diminuer au plus les importations de farine. Voilà, là, on va regarder les plans de la boulangerie. Je vais vous montrer à quoi va ressembler la boulangerie, la future boulangerie de Canala. On a l'accès au personnel où tout le monde doit rentrer au niveau personnel. On doit rentrer et on a un cheminement à faire. On doit rentrer ici, on passe par les vestiaires et là, tu peux rentrer dans l'espace de fabrication. Mais pour débuter, l'activité, elle se passera avec moi et mon oncle. On va commencer petit d'abord et peut-être prendre un ou deux jeunes pour les former et tout. Alors voilà tout le monde, au début, je suis un peu timide, j'avais peur de participer à Ostabot parce qu'il y a la télé, c'est tout le monde qui va me voir. J'avais peur au début. Ça serait une très grande fierté pour moi d'être la première jeune à lancer sa boîte ici et à donner l'exemple à d'autres jeunes par la suite. Alors n'hésitez pas, la famille, les amis, venez me rejoindre à Canala. Venez prendre un petit café de la boulangerie Pitou.